rapide. Ça commence par quelle lettre? A. Ah, bien. Ça c'est quoi? Attention. Une tortue, ça commence par quelle lettre? Un... T. T. T comme tortue. T comme tortue. Ça c'est quoi? Un serpent. Serpent, ça commence par quelle lettre? Un... F. S, c'est bien. C'est comme un sandwich ou un singe. Un singe. Voilà ma puce. Bravo, bellissima. Ça y est, on est dans le bateau. On est sur le bateau. Oui, on dirait nous, on passe par là-haut, mon gars. On passe par là. Ça passe pas là. Ça va pas, ça va. Tu t'appelles. On repart. C'est bon. C'est bon? C'est mon doudou. T'as ton doudou? Oui. Allez, si t'as ton doudou, c'est bon. On est dans le bateau. Ça va prendre le sac avec ta maman? Wow.
y est, c'est le grand jour. On est sur le ferry. On quitte le continent. Ça y est. Je suis trop contente. Alors je suis trop contente. Dans une heure, on est au Maroc. Et toi, t'es contente, ma puce? Sur le bateau. On récupère le berzingue, il est toujours là? Dès que ça s'est baissé, on fonce! Toute berzingue! Ça y est, on va accoster sur le continent africain. Ça, ça va se baisser. Et comme ça, avec le 4x4, on pourra rouler dessus pour aller au Maroc. Eh oui! Ça glisse! Non, ça glisse pas, ma puce. C'est parti! C'est parti! On est arrivé! On va fouler le sol africain, ça y est! Ça y est, c'est parti! Ça y est, l'aventure elle commence aujourd'hui maintenant. C'est bon, je peux y aller? Je peux y aller? 3, 2, et moi je peux y aller, moi? 1, et ben non! Moi je peux y aller? C'est allez, bon. Je peux y aller, ça part! Yeah! Bravo! Wouhou! Rembarré à la frontière là au Maroc parce qu'apparemment il faut un ticket, enfin je sais pas, ils nous ont envoyé là-bas au parking. C'est un ticket obligatoire pour traverser la frontière, mais sans ça on peut pas passer. Alors on savait pas, on était pas au courant. Non, donc là on fait demi-tour. Dans nos recherches, on n'avait jamais vu qu'il fallait. Au parking qu'il y avait là-bas non, on arrive de là-haut. Non, il a dit qu'il fallait repartir direction l'hôpital. Hôpital là-bas, ok. Ah ouais, il a compris lui. Il a compris que. Mais monsieur, il a bien compris qu'on s'était fait rembarrer, du coup il nous a fait signe de suite. Et je pense qu'ils doivent connaître un peu. Ils ont l'habitude. Tour du rond-point. Et là, il faut prendre là en fait pour aller chercher le ticket. Ah ouais. Là. Voilà. Là, ça c'est. Juste pour ça. C'est. Je comprends pas là. Je comprends pas. Moi non plus, j'ai juste pris la plaque d'immatriculation. Dirigez-vous à la frontière et présentez ce ticket. Voilà. Écoute, on va se diriger à la frontière, on va montrer notre ticket. On a mis une bonne heure pour passer la frontière du Maroc parce qu'on a été fouillé. Ils n'ont pas tout fouillé. On a cru qu'ils allaient tout fouiller, ils nous ont mis sur le côté. Le chien il est venu, il a reniflé partout. Mais ils n'ont pas tout fouillé. Ils n'ont pas tout fouillé, non. Tant mieux. De toute façon, on n'avait rien de particulier, mais... En fait, ils fouillent tous les véhicules. C'est ça. Enfin, en tout cas, là, ils ont fouillé tous les véhicules. Et les gens klaxonnaient. Je sais pas si c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça que les gens klaxonnent. Ah, mais je pense que c'est parce qu'ils fouillent tout le monde et que du coup, ça... Ils en avaient marre. En même temps, on a attendu 37 degrés sur un parking en béton, sans ombre. Un cagnard. Mange celui-là d'abord. Allez, maintenant. On va essayer de retirer de l'argent. Et d'aller acheter les cartes SIM. Ouais. Normalement, la banque, elle est pas loin. Et le vin rouge. Ah, le oui. Vin rouge, oui. Ah, oui. Il est bienvenu. Merci. Bienvenue au Maroc. Merci, monsieur. Merci, c'est gentil. Thank you.
côté d'Avrou. On vient de se poser et en fait, on a un joli petit singe qui vient nous voir. À savoir qu'ici, en fait, c'est un parc naturel et on y trouve des singes de Barbarie, comme lui. Voilà. Et du coup, voilà, il vient, il se pose, tranquille. Ça, c'est mon camion. Moi, c'est Julien. Laura et Livia. Toi, c'est comment ? Ah, petit père. Le bonheur d'être dans des endroits sauvages. Super. Il va faire le tour, je pense. Je pense qu'il va nous voler de la bouffe, surtout. Ouais. Peut-être lui donner un bout de pain. Il va pas manger mon pain, quand même. Bah, attends. Tu crois qu'il vient pourquoi ? Mais papa, il ne veut pas te prêter ton pain, quand même. Bon, d'accord, je lui prête mon pain. Ah oui, ah regarde-le, regarde-le, il est en train de regarder en fait, il est trop marrant. Attends, il est malin celui-là. T'es contente d'avoir vu un singe ? Oui. T'en avais jamais vu ? Non. Et non ? Il faudrait un pantalon pour lui. Un pantalon, tu crois ? Oh mon Dieu. Non, ne le touche pas, chef, on sait jamais. Hé, voleur ! Hé, dis donc, c'était mon pain ça ! Moi je vais prendre mon pain. Mon pain ! Il y en a d'autres. T'as volé mon pain. Viens ici, moi je viens te chercher. Mon pain. Mon pain. Ouais, je pense que c'était l'erreur à ne pas faire. Ouais, fallait pas que je m'écarte du camion. T'as volé mon pain. Alors ça. Ça, c'est pas cool, ça. On va fermer parce qu'il va nous voler tout ce qu'il y a là-dedans. C'est sûr, là, il faut fermer. Et puis je pense qu'il y a... Bah, attends, il y a son pote qui arrive maintenant. Ouais, et lui, c'est un gros. On va ferme. Ferme, parce que là... Waouh ! Il va tout manger mon pain. Regarde, Livia, il y en a un autre qui arrive. Oh. Pourquoi il est tout haut ? Bon, là, on vient de se faire voler. Alors, lui, il est arrivé juste à côté. On s'est fait carjacker. Il est venu ici et il a arraché la poubelle. Pour manger une peau de banane. Putain, on est en train de se faire défoncer par les singes. Ils sont voleurs. En fait, quand on dit que les singes sont des voleurs, c'est incroyable, mais c'est vraiment des gros voleurs. Et un monsieur apprécie bien sa petite banane, hein, regardez. Ah ouais, c'est bon la peau de banane ? Ah, apparemment, c'est très très bon. Ça va, mon grand ? T'es pas trop dégoûté, chérie ? Putain, il a pris mon pain. Allez, ah par contre, il y a le petit bébé qui arrive là. Non, non, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Tac. Mais il y a rien dedans. Il a juste joué avec, mais tu vas mettre du plastique partout. Là, on a un joli petit bébé qui vient d'arriver. Ça, c'est de la bière. Il y a rien, tu vas être déçu. Ben oui. Je te l'ai dit, tu m'écoutes pas quand je te parle. On dirait Livia. Ah non, heureusement chérie que tu manges pas la poubelle. Il y a encore une maman avec son bébé qui arrive. Mais là ils arrivent tous en fait. Ouais. Oh putain. Ferme les fenêtres. Non mais je suis plus chez moi en fait. Non. T'as jamais été chez toi là. Regarde bizarre lui, qu'est-ce que tu fais toi ? Je te signale, c'est bon. Fais gaffe, il va rentrer. Au plus près de la nature, hein ? Je pense qu'ils vont dormir avec nous. Ouais, bah alors moi perso, ils vont monter sur la tente. Ouais. Je pense que c'est pas une bonne idée qu'on reste là. Hein. Je suis pas très sécure là. Mais... On va essayer de faire. Dis-moi si petit fait. Bon, on était venu là pour voir des singes, je pense qu'on est servi là. Et il y en a encore d'autres qui arrivent. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 singes. 11. Bon, je pense qu'on va
crois qu'on va changer d'endroit, on va pas pouvoir rester ici. Ils vont nous défoncer la tente. Ah ben là déjà ils nous ont volé le pain. Et l'autre il est monté sur la tente. Ben là ils ont dégommé la poubelle. Il y a la poubelle, tout est par terre. Ils l'ont ravagé. Ils sont beaux. Un autre. Waouh. Pire que comment il était dégoûté quand il a ouvert la poubelle. Oui. Hey, mais il n'y a plus de banane dedans. Il est quand même monté sur la porte. Et il est monté sur la porte pour choper le pain. Pour aller chercher le pain dans la bannière quand même. Ouais. Regarde le bébé. Regarde le bébé comment il monte sur le dos. T'as vu ça? Ça va, tu t'es régalé mon grand? C'était bon? On peut pas faire à manger. Ah bah non, là on peut pas faire à manger, c'est bon. Ils vont venir manger la viande. Ah c'est pas possible, on peut pas rester ici en fait. Putain. Bah, au moins on aura vu les singes, on voulait les voir. Ouais. On les a vus. Mais du coup maintenant faut trouver un endroit où aller manger. Ouais. Sans qu'il y ait les singes. On s'est fait voler. C'est le bazar, on range vite fait. Tu me dis s'il s'approche? Ah bah là oui, il s'approche là. Tiens, il y en a un qui arrive parce que... Il a vu que t'avais ouvert. Nine, on va pas pouvoir ranger. Je te jure. Il est à l'affût là. Ouais, j'ai bien vu. Fille de là. Non, Olivia, sois gentille. Bon, mes petits singes. Au revoir, les petits singes. Tu dis au revoir, ma puce, c'est bien. Ah oui, il y a ça, ça, ça. Envahissant, c'est cool les singes, mais c'est un peu envahissant parce que. Tu peux rien faire en fait, tu laisses un truc, tu laisses traîner un truc sur la table, c'est fini, c'est fini. Au revoir les petits singes. Au revoir les petits singes. Ouais, tu leur fais des bisous ma puce. Allez les gars, on s'écarte s'il vous plaît. On a rien oublié? Bah je crois pas, mais on a fait tellement vite que... Salut mes grands. Salut. C'était un plaisir, même celui qui m'a bouffé mon pain. Tu dis au revoir mon grand. Salut. Il n'y en a pas un sur le toit? Non c'est bon. Non mais là c'est impossible, tu peux pas parce qu'en plus en tente de toit ils vont grimper dessus. On va être réveillé en sursaut dans la nuit par les singes qui montent sur la tente. Pour peu qu'il y en ait un qui essaye de nous... Qui arrive à ouvrir le zip. Qui ouvre le zip. On va... Là c'est à 4 km ma puce. Ah, moi, j'aurais jamais pensé voir des singes comme ça. Autant surtout. Autant et tout. Enfin, c'est magique. C'est magique.